Vous savez, beaucoup de choses ont changé avec le temps. Beaucoup de choses ont changé dans le positif, beaucoup de choses ont changé pour le bien, pour le bon, pour l'avancement, pour le progrès. Beaucoup de choses ont changé, vous savez. Il y a de cela beaucoup d'années, il n'y avait pas de courant. Okay. Ça ne veut pourtant pas dire que les gens étaient malheureux, d'accord? Les gens se réunissaient peut-être autour du feu, en famille, en collaboration, en intimité, on discutait, on racontait des histoires, hein, les griots dans certaines parties de l'Afrique. Il y avait ce sens de collaboration, d'entente, de chaleur. Aujourd'hui, c'est vrai, on a le courant, et le courant nous a apporté beaucoup de choses positives. La télévision, la radio, l'Internet. C'est très bien. Aujourd'hui, vous me voyez à travers Internet. On peut discuter à travers Internet. On peut parler à beaucoup de gens à mille lieues de nous à travers Internet. Mais ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est que bien que Internet nous permette de parler avec des gens très loin, à distance, des gens en Australie, en Autriche, aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde. Internet aussi très souvent nous empêche de développer l'intimité avec les gens qui sont proches de nous. Des gens qui sont là, à côté de nous. Il vous est certainement déjà arrivé de voir, pendant que vous sortiez avec des amis, ou au salon, ou peu importe, dans un coin, vous avez 8 personnes assis là et tout le monde est accroché à son téléphone. Ah. Ouais. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, bien que Internet nous a apporté beaucoup de choses à travers l'électricité et tout le bazar, on peut discuter avec des amis, des vieilles amies, on peut voir les photos de Nancy, Nancy qu'on n'aime pas nécessairement, on ne like jamais ses photos d'ailleurs. On peut voir ce qu'elle a fait, où elle est partie à Dubaï, en Thaïlande, à Hong Kong. Mais Jessica et Jérôme et Amina qui est juste là devant toi, tu es incapable de discuter avec elle. Donc, il y a le positif et le négatif. Malheureusement, le négatif surplombe sur le positif. Dites-moi, vous connaissez les anniversaires de combien de gens aujourd'hui? Honnêtement, il y a combien de personnes qui sont censées être proches de vous, dont vous vous rappelez l'anniversaire directement, sans faire usage de ça, sans que Hotmail vous rappelle, oh, demain c'est l'anniversaire de tel. On a perdu cette capacité. Avez-vous déjà écrit une lettre à une fille, une lettre d'amour? Ah. Avez-vous déjà reçu une lettre d'amour? Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. En tout cas, beaucoup ici ne savent pas ce que c'est. Une lettre d'amour. Aujourd'hui, on a Instagram, on a WhatsApp, Messenger. Si vous n'avez jamais reçu une lettre d'amour, vous ne saurez jamais ce que ça représente. Une lettre d'amour que tu peux sentir, toucher, regarder. Après 10 ans, 15 ans. Moi, j'ai des lettres d'amour aujourd'hui, d'il y a 20 ans. Ou 15 ans, ou 10, non, beaucoup plus que ça. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est. C'est vrai qu'on évolue, on avance, beaucoup de choses changent. Mais je pense que tout changement n'est pas une amélioration. Tout développement n'est pas une amélioration. Il faut le savoir. Je pense que c'est très capital. L'Afrique a beaucoup changé, mes frères. L'Afrique a beaucoup changé. Quand je regarde derrière, je ne suis même pas vieux. Nous grandissions, nous connaissions tout le monde dans le quartier. Dans notre avenue, je pouvais citer le nom de chaque enfant dans chaque maison, en commençant par la première. On pouvait peut-être compter 16, 17, 20 maisons, et je pouvais citer confortablement le nom du premier. Je sais que c'est Alain, c'est Jackie, après Jackie, c'est. Je pouvais faire ça. La deuxième maison, c'est la maison des Patricia, après Patricia, c'est Jérôme. La troisième maison, c'est la maison des Papi, Toto. La quatrième maison, c'est la maison des Mukandila, c'est Serge. On pouvait faire ça. Et chaque enfant était libre. On pouvait aller jouer chez nos frères, chez nos amis. On pouvait aller manger chez eux sans difficulté. On pouvait être en communauté. On jouait ensemble. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gens disent que les Africains sont méchants. Les Africains ne sont pas méchants. C'est cette génération qui est méchante. Quand nous grandissions, on ne connaissait pas cette histoire. Il ne faut pas manger là-bas, on va te donner de la sorcellerie. Il n'y en avait pas. Combien parmi vous laisserez vos enfants manger chez les voisins? Les voisins à qui vous ne dites même pas bonjour. Des gens viennent dans les quartiers. Vous entrez dans le quartier. Vous êtes nouveau, mais vous boudez les gens du quartier. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous venez dans un milieu, il y a des gens qui vivent là. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, 15 ans. Vous boudez. Si on ne me salue pas, je ne salue pas. Vous êtes qui? Vous plairez du miel? Ou de l'ice cream.
Cette génération a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent, non, il ne faut pas manger là-bas, tu auras la sorcellerie. Il ne faut pas donner... Moi, j'ai mangé chez les gens. J'étais petit. Chez les Oléla, j'ai mangé. Chez les Ndimwaku, j'ai mangé. Chez les Grégoire Kéyé, j'ai mangé. Chez les Mukandi, là, j'ai mangé. Chez les... J'ai mangé. Où est la sorcellerie? Où est la sorcellerie? Moi, je ne comprends pas. Une génération des gens qui prient, qui prétendument prient, parce que moi, je ne comprends pas. Parce que même la même Bible dit, même si tu manges le poison ou tu es mordu par un serpent, je t'épargnerai. Je vais trouver les versets, je vais mettre là pour vous, parce que vous n'aimez... Pour ceux qui ont peur d'aller chez les voisins ou de boire quoi que ce soit venant du voisin ou d'envoyer leurs enfants auprès du voisin parce qu'ils ont peur d'être ensorcelés. La Bible dit ceci. Pour mes amis chrétiens, je sais que vous aimez ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera point de mal. Continuons. Non, continuons. Acte 28, verset 4. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Une vipère, s'il vous plaît. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé par la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 5. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, c'était un dieu. Ça n'arrive que dans la Bible. Aujourd'hui, ce n'est pas valable. Aux mêmes personnes qui prient le même Dieu. Non, mes frères, vous ne priez pas le même Dieu. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Vous avez peur des sorciers, peur des voisins, peur d'être envoûté à travers une nourriture. Vous qui avez le Saint-Esprit, comme vous le dites, et la prière, la puissance du Dieu créateur du ciel et de la terre. Non, mes frères. Vous avez une Kalachnikov. Vous avez peur d'une personne qui a une fourchette en main. C'est une Kalachnikov en plastique. Le Dieu que vous priez là, qui a peur des poisons, le Dieu qui a peur des voisins et d'un sorcier, est un Dieu en plastique. Désolé, nous ne sommes pas bêtes. Les écrits sont évidents, on voit. L'être humain a porté sa superstition, l'Africain, dans tout ce qu'il fait. Jusqu'à la religion, on a changé la forme des choses. N'aimez pas vos voisins, ils sont méchants. Tous ceux qui sont contre vous mourront. C'est écrit où dans la Bible? Aimez vos voisins, supportez ceux qui vous maltraitent. Je ne suis même pas pasteur, vous allez me transformer pour dire la vérité. Si moi, je ne suis pas un homme de Dieu, Dieu seul sait. L'Afrique doit changer. Le discours doit changer. Prêchons la paix, l'amitié, la sympathie, la tolérance, la fraternité, l'entraide. Tout le monde ne parle que d'argent. D'argent, de mariage, de voyage, des réussites. Les gens sont incapables d'aimer leurs frères, mais veulent la réussite. Celui qui ne veut pas aider son frère est plus qu'un infidèle. C'est écrit dans le livre que les gens aiment. Nous vivons dans quel monde? Aujourd'hui, on est prêt à mettre à l'écart tous ceux qui sont nos proches, au bénéfice des gens qui sont complètement étrangers, au nom de la parole de Dieu. On a transformé cette parole. Comment est-ce possible? Ou peut-être que vous priez à un Dieu très faible, un Dieu absent, incapable d'agir. Nous vivons une génération où les gens qui prient ont peur des sorciers. Imaginez un peu, vous êtes toujours en jeûne et prière, 7 jours par mois, vous priez, vous célébrez, vous veillez, mais vous avez peur des sorciers. Qui va convertir ces sorciers? Qui va changer ces personnes? L'Afrique a beaucoup changé, mes frères. Aujourd'hui, vous entendez des gens dire, ah, lui, c'est mon demi-frère. Ah, c'est ça. L'histoire de demi-frère, là, ça a commencé quand? Demi-frère. Il n'y a jamais eu des demi-frères en Afrique? Les demi-frères étaient des frères et des sœurs. Ah, ce sont quels demi-frères? Pourquoi on copie bêtement les choses comme ça? Avec des cheveux jaunes. Moi, ça me... Demi-frère, c'est quoi? En Afrique, il n'y avait pas des cousins. Il n'y avait pas des cousines. Les cousins étaient des frères.
Les cousines étaient des sœurs. Écoutez, cousin n'est pas égal à frère. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dites-moi combien de vos cousines avec qui vous êtes en bon terme. Soyez honnête. Très peu. Mon oncle m'avait toujours présenté. Il m'a toujours présenté comme son fils. Ah, c'est mon fils. Pourtant, il a des enfants. C'est mon fils, il vient de venir. Et avec le temps, j'ai appris. Au départ, je n'avais pas de maturité. Avec, j'ai compris. Ma mère présente ses enfants comme ça, c'est ma fille. On ne dit jamais c'est ma nièce, mon neveu. Non, ça, vous avez copié chez les Blancs. C'est leur culture. Ce n'est pas la vôtre. J'ai une fois appelé la maman d'un ami très proche, Tantine, après m'avoir servi à manger. J'ai dit merci, Tantine. Elle m'a dit non. Je ne suis pas ta Tantine, je suis ta mère. Je l'oublierai jamais. J'étais très jeune. La maman de Patrick, Makata, elle m'a dit je suis ta mère. Et j'ai gardé ça dans mon cœur. Ta mère veut beaucoup. Ça veut dire beaucoup de choses. Pourtant, la maman est d'une ethnie complètement différente de la mienne. Elle m'a dit je suis ta mère. Et waouh, je partais là-bas chaque jour. Ils sont mes frères jusqu'à aujourd'hui. Cette mentalité de mondialisation où vous pensez que adopter tout ce qui est étranger est meilleur. On a changé des noms, on n'a plus nos noms. Même moi aussi, je n'ai plus mon nom. Bientôt, d'ailleurs, j'ai gardé mon nom. Pourquoi ? C'est le nom que j'ai, je le garde parce que vous me connaissez à travers ce nom. Mais je veux le changer. Hein? C'est quoi Tantine, Tonton ? C'est quoi ces histoires-là ? Dans nos cultures, on appelait nos tontons papa. Je ne sais pas chez vous. Hein? Chez nous, le frère de ton père, c'est papa tel. Le papa tel, ce n'est pas tonton tel. Ce n'est pas la même chose. Papa et tonton, ce n'est pas la même chose. Frère et cousin, ce n'est pas la même chose. C'est mon frère, c'est différent. Vous appelez des étrangers frères, mais vos propres cousins, vous les appelez cousins. Et ah, c'est ma cousine, vous ne vous entendez pas. Il faut revoir. Il faut revoir. L'Afrique, dans le passé, les voisins étaient des frères. Quand un voisin vient, ah, voisin, les voisins étaient des frères. Nous, on dormait chez nos voisins, sans difficulté. On mangeait chez nos voisins. On n'a jamais connu l'histoire aux sorcelleries. Cette histoire-là est venue récemment. Quand les gens ont commencé à beaucoup prier, cette histoire de sorcellerie. Je n'ai jamais vu de verset biblique où on dit « il ne faut jamais manger chez les voisins, on va vous en sorcellerie ». Je n'ai jamais vu ça. C'est la superstition africaine qu'on veut lier à la religion. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que c'est concret. Si tu es juste et que tu manges ce qui n'est pas censé, Dieu va te guérir. On dit ça. Toi, tu as peur de quoi? Le bon voisinage, c'était en Afrique. Quand tu n'as pas de sel, tu vas chez le voisin. Hey, voisin, bonjour. Même pas voisin. On envoyait l'enfant. Hey, bonjour, Michaela est là. C'est sa maman-là, on voyait pour chercher du sel. Qui a déjà vécu ça? Les plus jeunes n'ont peut-être pas vécu ça. Oh, la maman de Georges demande un peu de sucre. C'était ça, la communauté. Ce n'était pas la pauvreté. Il y avait de l'amour chez nous, l'amour. Les gens mangeaient ensemble, assis ensemble autour d'un plat de riz ou de patates, en train de manger et de discuter. C'était ça, l'Afrique. Toi, j'ai un problème avec toi. En tout cas, je n'aime pas ce que tu as fait. Ah, bon, écoute, excuse-moi, c'est pas ce que je pensais. Ça s'est fini, c'est là, autour de la table. Les gens mangeaient ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Chacun dans son coin, avec son Instagram, cherchant des photos à impressionner des gens, des faux vies que les gens n'ont même pas. Ça me choque. Ça me choque quand quelqu'un m'écrit, je réponds et me dit « Ah waouh, je suis vraiment surpris que tu me réponds. » Pourquoi ? Je suis un humain. Oui, j'ai accompli des choses dans ma vie. Oui, j'en suis fier. Et après ? Il y a des gens qui sont dans les mêmes positions que j'étais il y a quelques années, qui ont besoin d'aide autant que j'en avais. L'Africain doit retrouver son identité. Et je n'arrêterai pas de le dire. Non, vous n'êtes pas américain ou américaine. Détrompez-vous. Vous n'êtes pas ce que vous croyez là, belge ou français ou allemand. Vous ne l'êtes pas. Vous ne le serez pas. Nos langues commencent à disparaître. Il y a même des gens qui disent à leurs enfants, pourquoi tu parles cette langue, la langue des sauvages? J'ai entendu quelqu'un dire ça à son enfant. Sa langue maternelle, il dit c'est la langue des sauvages. Vous parlez en français. Quelle mentalité. C'est choquant. Aujourd'hui, même en Europe, c'est impossible de voir une personne venir chez les voisins dire « Bonjour mon frère, j'ai besoin de sel. » Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas. Non, on ne peut pas faire ça parce que, un, c'est de la honte. Deux, et qu'est-ce qu'il va penser? Même se saluer, on ne se salue pas. C'est cette génération qui est méchante. Les Africains ne sont pas méchants. C'est cette génération où tout le monde aime Dieu, mais n'aime pas son voisin. Tout le monde prie le Seigneur.
Les gens n'avaient pas d'ennemis avant. Oh, lui, c'est mon ennemi. Non. C'est aujourd'hui compris. Non, il faut tuer tous vos ennemis. Envoyez le feu à vos ennemis. Non. On dit, il faut prier pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent. On n'a pas dit bombarder vos ennemis. Moi, je n'ai pas vu de verset pareil. Retrouvons la mentalité. Tout changement n'est pas une amélioration. Tout mise à jour n'est pas une amélioration. Le téléphone est venu avec beaucoup de choses positives et beaucoup de choses négatives. Vous ne parlez plus aux gens qui sont devant vous. Vous êtes au téléphone. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais des gens, quand vous voyez comme ça, vous ne discutez même pas avec eux. C'est pénible. C'est triste. Je ne sais pas comment exprimer le sentiment que j'ai. Il y a une personne proche qui m'a raconté l'histoire. Une personne proche vivant en Belgique. Sa famille, la seule famille noire dans son quartier. Les noirs ne venaient pas. Mais un Albanais venait chez eux. Une famille albanaise est venue chez eux toquer. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je viens vous demander des œufs. Si vous avez des œufs, s'il vous plaît. On n'en a pas, on veut servir des gens. Un Albanais, s'il vous plaît. À un moment, surprise. Ah bon, bonjour. Elle prend des œufs, elle donne. L'Albanais part. Nourrit la famille. Des jours après, l'Albanais commence à venir là. Maman, tu es seule. Je veux t'aider à couper l'herbe et tout ça. Le jardin. Un Albanais, s'il vous plaît. Quand la maman était malade, les familles albanaises sont venues pour soutenir, pour regarder comment elle va. Chose que les Noirs n'y font plus. Vous voyez une maman, vous regardez, c'est la daronne de qui? C'est la mentalité qu'on a adoptée. Quelle mise à jour. Les Albanais, les mêmes Albanais sont venus expliquer, maman, chez nous, les voisins sont la famille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on va t'aider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. C'est comme ça, les Africains. La maman de ton ami, c'est ta maman. Ce n'est pas tantine. Ce n'est pas monsieur tel. Non, il faut arrêter ces bêtises-là. Vous nous passez à la télévision, ici, on vous voit nous passer des trucs à la télévision. Ah, monsieur, non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Toi, tu ne viendras pas appeler mon papa, monsieur Mouekassa. Ce n'est pas ton ami. C'est papa Mouekassa. Autant je le ferai pour ton père. C'est ça, notre mentalité. Là où vous allez, il ne faut pas copier. Il faut leur apprendre comment vous vivez. C'est comme ça. Les Juifs vont chez les gens. Ils sont partout dans le monde. Aux États-Unis, en France, en Belgique, partout, ils sont partout. Mais n'adoptent jamais la mentalité de ceux avec qui ils vivent au détriment de leur. Jamais. Ils respectent le sabbat. Chaque samedi, ils sont en train de prier. Ils ne sont pas en voiture, ils marchent. Nous sommes presque les seuls peuples qui vont ailleurs et nous enlevons notre peau. On ne veut même pas. On veut parler comme Jean-Luc Mélenchon parce que c'est voilà. Vous êtes quoi? Ça fait mal. Retrouvons l'amour. Allez chez le voisin, dites bonjour. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Écoutez, vous n'êtes personne. Allez chez le voisin, toquez. Bonjour, mon nom est Jérôme, je suis nouveau dans le quartier. Comment? Vous serez surpris de voir sa réaction, sa gentillesse. Vous allez chez les gens, vous boudez. Et vous attendez à ce qu'on vous salue. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc, quel feu? Quel feu? Même Jésus avait des amis. Vous allez dans le train, vous boudez les gens. C'est vous qui créez des ennemis. C'est vous. Vous voyez des gens, vous boudez. Vous boudez quoi? On doit fournir beaucoup d'efforts. On doit changer la donne. Merci encore une fois. Je pense que c'est très important d'en parler. Chez les Africains, les cousins n'existent pas. Les cousins sont des frères. Les demi-frères sont des frères. Vous allez chez les gens détruire des familles des gens. Ah lui, c'est son demi-frère, c'est son papa. Non, c'est leur famille. Il faut laisser ça. Les gens sont bien. Vous voulez venir les détruire, pourquoi? Créer des différences entre les gens. Les papas des amis sont des papas. C'est pas tantine telle, c'est pas monsieur tel. Ça, c'est de la bêtise qu'on a importée. Passez une bonne soirée. Au revoir.